Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kingdom Come Deliverance. Du coup, alors, bon, j'ai fait un peu de la merde, on va dire, au dernier épisode, bien évidemment, parce que, en fait, si j'ai pris... Ce que vous avez sur vous. Ah merde, tiens. Vas-y, inspecte-moi. Faut-il que je me répète ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, mais je veux pas le voler à la tire. Eh bien... Vous m'entendez ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce sont les ordres qui m'ont été donnés. Ah bon ? Je vais essayer de le convaincre, j'espère que ça va passer. Je suis porteur d'un message important. Je n'ai pas le temps pour ces sornettes. Bon, d'accord. Allez-y. Bon, ça va. Ouf. Pourtant, je suis à moitié à poil. Donc, comme j'ai fait un peu de la merde au dernier épisode. Si j'ai pris une amende de 400 gros chênes, évidemment, vous me l'avez précisé dans les commentaires, c'est parce que je me baladais la nuit sans avoir une torche. Et effectivement... En début de partie, quand on avait fait le tour de garde, on nous avait prévenu que la nuit, il fallait se balader avec une torche, et que c'était illégal de pas se balader avec une torche. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre les deux épisodes, en voulant fouiller un petit peu à droite à gauche, je me suis retrouvé dans un combat où je suis mort. Donc j'ai rechargé la partie, et en fait, ma sauvegarde était avant d'aller voir le Seigneur Capon. Donc du coup, je suis retourné voir le Seigneur Capon, je nous ai remis à peu près là où j'en étais. Et vu que j'ai farfouillé un tout petit peu sur le net, histoire de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, en fait, dans le coffre à côté de là où le Seigneur Capon était en train de picoler, il y avait une clé à récupérer. Et du coup, je suis allé la chercher. Donc, c'est la seule différence qu'il y a par rapport à avant. Et j'ai trouvé aussi où est-ce qu'il fallait aller. Donc, en fait, il fallait aller à l'arrière de l'armurerie. Donc, c'est pas là, mais c'est là-haut, en fait. Donc... Depuis là, voilà, on peut déverrouiller direct avec la clé du Seigneur Capon, grâce à ça. Alors, je suis dans un lieu privé. Mais attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même voilà, se balader en mode un petit peu discret quand même. Parce que je crois qu'il y a des gardes par ici. Et du coup, on peut atteindre la cave, en gros, qui se trouve là, tout simplement. Donc, en fait, c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris ce qu'il fallait faire. Donc là, on a notre pichet de vin. Et là, il me semble... Ouais. Il me semblait qu'il y avait un... Il avait dit qu'il y avait un robinet, il n'y en a pas dessus, mais en fait c'est celui-là. Donc du coup, normalement, le pichet a été rempli de vin, donc il suffit juste qu'on arrive à se glisser en dehors. Voilà, on a trouvé la sylvanelle rouge. On va essayer de se faufiler à l'extérieur. Sans se faire repérer, si possible. Voilà, retourner au bain avec le truc. Ah, je comprends mieux pourquoi le garde voulait me fouiller, c'est que je pense que... Ouais, bon, bref, on va éviter de parler avec des gens, on va éviter de se faire remarquer, on va juste passer tranquillement et on va retourner voir le Seigneur Capon. Hop là, doucement, j'ai pas envie de rentrer dans un garde parce que ça risquerait de me faire remarquer. Allez, c'est parti. Donc du coup, mes 400 gros chaînes, je les ai. Vu que j'ai rechargé la sauvegarde d'avant, j'ai parfait la même bêtise. Et du coup, je les ai à nouveau. Quoi. Voilà. Il y a quand même beaucoup de monde la nuit qui se balade. Ils portent tous des bains. De bande de petits coquins. Alors, un truc aussi qu'on m'a demandé. Alors, je voudrais juste voir si je peux pas le faire maintenant. Alors, je crois que c'est sur le cheval que je l'ai. C'est d'utiliser juste le carapaçon arrière pour mieux voir, en fait, le truc de protection à l'avant. À la place du carapaçon complet. Mon cheval vient de disparaître. Ah non, il est là. Ouais, ça rend pas trop mal avec ça aussi, du coup. Bah, du coup, j'espère qu'ils ajouteront une armure plus complète pour le cheval, quand même. Ce serait sympa. Normalement, il y a les emplacements prévus pour. Donc, ça doit être prévu, j'imagine. Peut-être avec un DLC ou une extension, du contenu additionnel ou du contenu gratuit. Peut-être. Ah, attendez. On va juste du coup retirer le flambeau, il n'y en a plus besoin maintenant. Et nous y voilà. Au fait, le vin que vous m'avez envoyé chercher, vous l'avez eu? Et comment que je l'ai? Vous vous êtes introduit dans la cave de l'hôtel de ville? Évidemment que je vous l'ai obtenu, en espérant que ce vin en vaille le détour. J'en crois pas mes yeux! Vous êtes vraiment entré par effraction dans la cave? Vous êtes totalement fou. Ne vous en faites pas, je n'ai fait qu'utiliser votre clé. Hein? Ma clé? Pourquoi, sale fourbe? Vous êtes plus rusé que ce que je pensais. Vous pouvez conserver la clé. De toute façon,
Il me laisse entrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Bon, voyons si ce vin est aussi délicieux que vous l'insinuez. Vous attendez quoi? La bénédiction du prêtre? Plus vite! Portez-le à vos lèvres. Ah, voilà enfin ce que j'appelle du vrai vin. Du Sylvaner rouge. Rien à voir avec la pisse d'âne qu'ils servent dans cet établissement. Au demeurant charmant. Ça se sent dès la première gorgée. Pas vrai, Henri? Vous avez raison, monseigneur. Du Sylvaner rouge. Son goût est incomparable. Bon, bah super. Ah, donc la fin de la soirée. Je sais pas pourquoi je sens que ça va finir comme la soirée avec le prêtre. Vous êtes unique, vous. Vous méritez mieux. Vous méritez des fleurs. Quoi? Dites-moi quelles sont vos. Oh, je vais devoir aller chercher des fleurs, je sais. Mes fleurs, de toutes sortes. J'aime les pissenlits, les sauges, les renouées et les coquelicots. Il est vrai que j'apprécie tout particulièrement les coquelicots. Vous avez entendu ça, Henri? Quoi? La demoiselle demande des pissenlits, des sauges, des choux. Non, pas ça. Non, des renouées et des coquelicots. Quoi? Vous voulez que j'aille cueillir des fleurs maintenant? Je sais. Je vous fais encore travailler. Mais si vous apportez ces fleurs, je vous donnerai 60 de gros chênes. Mais quoi? Rien que ça. D'accord. Je vais y mettre. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être con. Alors normalement j'ai plein de coquelicots déjà sur moi. Oh mon dieu, je sens que ça va être fun. Ouh, je sens qu'on va se marrer. Des sauges, un autre truc et des roses. Alors, cuire des fleurs pour Qu'est-ce que serait un bouquet sans roses? Il y en a dans le jardin du château supérieur. Ah oui, dans le jardin du château supérieur carrément. Alors attendez, on va juste regarder sur la carte quand même. D'accord. Le jardin du château supérieur, comment est-ce qu'on va y aller? Bon déjà, il va falloir qu'on y aille de toute façon. Alors je suis quand même surpris qu'on arrive à marcher droit encore. Mais bon, allez. On va prendre Pégase. Alors. On va équiper le flambeau, parce que sinon, j'ai pas trop envie de me faire choper par les gardes à cheval, alors qu'ils vont me dire, vous avez besoin d'un flambeau la nuit. Ouais, comme j'ai... Normalement, des coquelicots, je les ai sur moi, mais ce qu'ils veulent, c'est probablement qu'on aille récupérer certaines fleurs spécifiques. Peut-être qu'il va se passer quelque chose là-bas, d'ailleurs. On va voir. Il y a des gens qui dorment dans la rue quand même. Alors il est où ce jardin? J'ai des petits bugs de chargement aujourd'hui quand j'ai lancé le jeu. J'ai des petits soucis de chargement des textures et des visages comme vous avez pu le remarquer. Je sais pas trop comment ça se fait, donc désolé pour ça. Donc du coup le château supérieur il est là. Mais où est-ce qu'il y a un jardin? Ça doit pas être par là. Ah non, on est bel et bien ivre. On va essayer d'éviter de réveiller les gens.
Non, c'est pas par là. Là, ça a l'air d'être les trucs des serviteurs. Ah merde. Qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci ? Désolé. Alors, attendez, on va juste regarder sur la carte. Qu'est-ce qu'elle me dit, la quête ? Pissenlit, des sauges, des coquelicots et des roses. Putain. Où est-ce qu'on va trouver tout ça ? Alors, pas sûr que ce soit par là. Le truc, c'est que je me demande si... En fait, c'est pas genre... Là, en bas, là. C'est pas ça, le... Non, non, il y a un truc de l'autre côté, là-bas. Est-ce qu'on peut y accéder ? On doit pouvoir y accéder, probablement en traversant le bâtiment, je pense. On va essayer. Ah, ils sont toujours là, eux. Franchement, en plein milieu de la nuit, ils pourraient bouger, quand même. Alors là, c'est des latrines. Là, c'est la porte qui mène à l'extérieur, normalement. Oui, c'est ça. Mais on va voir. Là, normalement, c'est là où dort le capitaine. Qu'est-ce qu'on a ? Parce que j'ai jamais exploré, en fait, les environs. Donc ça, ça doit être les quartiers du seigneur Anush. Donc c'est pas du tout par là. Ça m'étonnerait que lui me laisse passer, malheureusement. Ouais, ouais, je sais. Alors, si on essaye peut-être de faire le tour, mais on va voir. Bon, ça, c'est crochetage. Voilà, peut-être par là, en suivant les remparts. Où est-ce que ça nous mène, ça ? Ah, voilà. Et du coup, ça, ça doit être le jardin. Ok. Donc... Hop. C'est des coquelicots, ouais. Ah, allez. Des roses. Ah mais en fait, j'ai juste ça. Ah bah voilà, d'accord, ça me donne direct le bouquet en fait. Mais vous allez voir que je vais me faire choper, probablement, en train de cueillir les fleurs. Wow. J'aimerais avoir un peu d'intimité si ça vous dérange pas. Je suis venu chercher. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, oula. Ce n'est pas moi que vous cherchez. Je ne suis la donzelle de personne. Allez donc voir ailleurs si j'y suis. Que faites-vous avec ma Clara, sale connard ? Archie, arrête, il ne fait que se baigner. Il se baigne, hein, dans cet endroit où il n'y a que des catins à part toi. Archie ! Toi aussi, tu te prostitues maintenant ? Archibald, ça suffit ! Archibald ! Fermez votre bec, j'en ai pas encore fini avec vous. Non, je peux te jurer que cet homme n'a pas posé ses mains sur moi. En fait, elle dit la vraie vérité. Enfin, à peu près. Non, il ne s'est rien passé, rien du tout. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Je vais d'abord m'occuper de cet enfoiré. J'aimerais bien voir ça, tête de cul. Tête de cul. Pour l'amour du ciel, arrêtez tous les deux. Putain de merde. Hey. Qu'est-ce que vous faites ? Donc on va se fighter. Toi, t'as des fleurs, toi. Voilà. Ça, c'était un peu... Sentez venir. Allez, on va mettre quelques patates. Ça tombe bien, j'avais envie de distribuer des pains aujourd'hui. Eh, c'est pas parce que je suis ivre que tu t'as cru quoi, mec ? T'as pas vu mon niveau, le niveau de combat à menu que j'ai, hein ? Ah, la esquive, en plus. Aïe, ça, c'était pour moi. Ah, merde. Voilà. Courva allez, fixe. Courva fixe toi-même. Ah putain, on peut le repousser contre le mur comme ça, c'est cool. Ah, je crois qu'il est bon là, non ? Allez, une dernière. Voilà. Vous avez quoi dans le crâne ? Vous essayez de noyer un aristocrate ? Oh merde. Fichtre. Monseigneur, je ne savais pas. Hors de ma vue. Filez avant que je me souvienne que je peux vous faire pendre. Votre Altesse, je vous présente mes excuses. Je suis désolé. Je m'en excuse. Archie, attends. Le drama, oh. Comme on dit. Le drama. J'ai failli me faire noyer par tête de cul. Il est con, ce capon. Ouais, heureusement que j'étais là, quand même. Oh.
C'est le bain le moins relaxant que j'ai pris toute ma vie. Merde, je me sens comme si j'avais bu toute la mer Baltique. Non, mais ça, c'est parce qu'on a bu toute la mer Baltique. Vous allez crever à force de boire. C'est bien vrai. Est-ce qu'il reste un peu de vin? Vous êtes complètement cinglé. Vous allez continuer? Évidemment. Ne me dites pas que vous avez pas envie de prendre un verre après tout ça. Pour fêter ça. Il est incorrigible, le Capon, en fait. Ah, je suis dans un... Wow. Je suis où, là? Ah, d'accord. Je me suis réveillé ici, en fait. D'accord. Bon, ben, en fait, c'est juste terminé, quoi. Bon. Ok. Eh ben, du coup, c'est bon, en fait. J'ai encore... Vérifier que le seigneur Hans se porte bien. Ah, je me suis réveillé pas très frais sur un tas de fumier. Je viens d'avoir si le seigneur Hans s'est pas noyé dans la baignoire. Alors, a priori, non, il s'est pas noyé dans la baignoire, en fait. Je vais vérifier quand même. Non, c'est bon, il est pas noyé. Il est pas là. Juste vérifier un peu les environs. Donc là, on a d'autres bains, d'accord. Bon, il a pas l'air d'être par là, voyons voir. Lui, il me le positionne. Bah, il a l'air d'être retourné au château, tout simplement. On va peut-être se rhabiller, nous. Hein. Ah, bah, c'est bon. Voilà. Ah, mais pourquoi il faut que t'apparaisses au milieu des poules, Pégase? Allons. Tu es un cheval de vitesse, pas une poule. Alors, c'est un poil dommage parce que du coup, ouais, il y a des légers soucis de clipping sur les textures, là. Un peu couillon. Non, c'est pas grave. Wop. Je crois que j'ai failli tuer quelqu'un. Bon, alors du coup, Seigneur Capon, normalement, sa chambre, c'est au troisième étage. Quand même pas très pratique, ils auraient pu foutre des escaliers à l'intérieur. Je crois que c'est là. Ah non, crochetage très difficile. Ah non, il est peut-être pas au troisième étage, c'est plus le truc de l'autre seigneur là. Ouais, normalement il est là. Bon, bah de papa, papounet. Hein. Alors il était à quel étage du coup déjà ce Capon? Je m'en rappelle plus moi. Attendez, remarquez, la carte me le positionne où là? Wow! Ah! Ah bah en fait, il a l'air d'être à pied. J'ai dû le croiser sans le voir. Attends, on va y aller à pied direct. Voir si je peux le rattraper. C'est lui là? Il semblerait que oui. Ah, c'est lui. Seigneur Capon, qu'allez-vous faire de lui? De tête de cul? Je l'ignore. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Il avait bu et il était maladivement jaloux. Je suis persuadé qu'il viendra s'excuser une fois qu'il aura décuvé. Mais il a tenté de noyer un membre de la noblesse. Je ne peux pas le laisser s'en tirer. Il n'avait aucune idée de qui vous étiez. Et puis, si vous le laissez s'en tirer, vous prouverez que vous valez mieux que ça. Vous devez avoir raison. Je m'en moque. Mais nous avons fait pas mal d'exercices. Hein. Bon, bah voilà, c'est terminé du coup. Oh, c'était sympa cette quête. Hein. Malgré les quelques difficultés rencontrées. Bon, alors, qu'est-ce qu'on avait déjà un petit peu qu'on va faire au prochain épisode du coup? On avait... Ah oui, c'est vrai, pour les trucs des mines, ça peut être sympa à aller faire aussi, effectivement. Et après, on avait encore... Ouais, on a... Ah ouais, faudra que je retourne faire celle-là, effectivement. Bah, étant donné qu'en fait, je vais repasser sur Talmberg, on va repasser aussi à Rovna et aller aux mines de Scalis. Donc en gros... On pourrait faire ça dans cet ordre-là, remonter à Talmberg, aller à Rovna, puis aller à Scalis pour faire les différentes quêtes dans l'ordre. Je voudrais juste voir c'était laquelle déjà qui était à Rovna. C'est celle-ci, où je devais aller retourner parler à un mec, donc on le fera après, effectivement.
Donc du coup, il faut juste que... Ouais, je vais... Ça, je vais l'enlever, j'y retournerai... Non, je pense que... Attends, vous savez quoi, on va y aller tout de suite. Je pense qu'on est le lendemain, là. Attendez, on va juste monter sur mon cheval, parce que je suis pas certain que le voyage se fait à dos de cheval si je fais un voyage rapide sans être sur le cheval, en fait. Ok, on va aller voir si le rituel a fonctionné, vite fait, comme ça, ça sera fait. Et alors oui, je sais pour Thérèse, elle m'a dit de retourner plus tard, et ben j'y retournerai plus tard. Allez, charge-toi le jeu, c'est bon. Alors c'était où déjà? Si je ne m'abuse, c'était cette bâtisse. C'est elle là, non? Je vous souhaite une bonne santé, Henri. Ah, Draumira. Alors, qu'est-ce que ça dit? Votre maison est libérée de tout esprit? Ah, vous revoilà, hein? Vous avez de la chance que je ne sois pas venu vous chercher moi-même. Non, rien n'a changé. L'esprit est revenu et je n'ai toujours pas dormi. Vous insinuez que je n'aurai pas ma récompense? Vous serez payé selon les résultats, mon cher. Et je n'en ai encore constaté aucun. Au moins, maintenant, je sais que les potions de vieille dame ne fonctionnent pas. Passez voir l'apothicaire Kerkonia à Charatay. Il paraît que c'est un expert dans le domaine de la magie. D'accord. Je lui propose une vous potion de sommeil. Vous avez essayé de boire une décoction de coquelicot? Je pourrais vous en préparer une? Vous croyez vraiment que je n'ai pas fait appel à toutes sortes de remèdes? Figurez-vous que oui, et ça ne sert à rien. Bon, bah je vais aller le voir, je alors. Je passerai voir l'apothicaire. Avec un peu de chance, il nous trouvera de quoi vous apaiser. Ok, bon, alors ce sera pour une plus tard, du coup, parce que... D'ailleurs, j'ai pas de... Non, j'ai pas de trait à débloquer ici. Ça peut patienter un petit peu. Comme je disais, voilà, faut que je retourne à Rovna pour annoncer ce qui s'est passé. Et après, voilà, on a le truc de Thamberg ici. Parfait. Bon. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode. Et prochain épisode, du coup, on va remonter à Thamberg, aller faire tout ça, s'occuper des mines de Scalis et tout et tout. Et puis plus tard, je reviendrai à Raté. J'en profiterai pour aller voir l'apothicaire et Thérèse. Et on verra ce que ça donne. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Désolé s'il est un petit peu plus court que d'habitude. Je vous souhaite un excellent samedi. Et je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous !